Ma Mission TV, le miroir du monde. Derrière, nous avons vu, nous avons trouvé la fenêtre ouverte et l'aîné était à ce niveau. Deuxième nez qui s'est retrouvé au bout, vous allez voir, c'est dans le film, c'était à ce niveau et le monsieur était à genoux. Donc, il était en position à genoux. Et quand nous sommes maintenant entrés à l'intérieur, nous avons la première des choses quand il y a un dossier comme ça, il faut d'abord prendre la taille de la personne. C'est 1 mètre, il est géant, puisque même 1 mètre 74. Nous avons pris la taille, le premier nœud, deuxième nœud, et puis le pavé. Donc quand vous prenez, et le nœud était ici. Mais nous l'avons trouvé en position, je parlais de la position sur laquelle le monsieur d'être tenu pour se balancer. Puisque je vous informe que même à 1 mètre, quelqu'un peut se pendre. Mais dans les cas précis, vu la taille de la personne, vu la masse de la personne, quand ce bascule, le nez va se détacher jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire la personne est encore en vie, elle ne peut pas, il n'y a pas aucun mouvement à faire dans ce sens-là. À partir de la porte, le terrassé ici. Il y a un petit terrassé ici. Vous allez voir ça dans les images. Il y a ce petit terrassé. Il se peut que la torture ait passé par ici et il y avait ces caméras. Ils peuvent avoir le sévère central ou la bande qui fait les montées. Et puis ils nous disent que ça ne fonctionne pas. On ne sait pas. Non, il n'a pas répondu. Il faut poser la question. Non, il y a quelqu'un qui...
Ma Mission TV, le miroir du monde. Gardez. Hop. Centre. Portez. Allez. Immobile. Monsieur le premier président de la Cour militaire de Kinshasa, Gombe, du 5e membre de la composition. Mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le préfet qui comparaît à l'audience de ces jours. Commandant police d'audience, adjudant-chef Mbaya Tchitou. À vous, mon général. Flagrance, c'est mercredi 22 décembre 2021, en forêt dans l'enceinte du nouveau palais de la justice, commune de la Gombe à Kinshasa. Affaire en introduction IN, RP numéro 247/21, en cause, auditeur militaire supérieur ministère public et partie civile, Tshibanda Kachama, Kalombo Tshibanda, Muleba Tshibanda. Contre, commissaire supérieur principal, Mopepe Samwani, commissaire principal Tchongo Onanguelo Morgan, commissaire Nzita Mananga Crispin et brigadier Diamasivi Mukoko Benino, prévenu de torture ayant entraîné la mort. Fait à Kinshasa le 22 décembre 2021. Existence
Donc c'est pour de l'autre. Donc, en procédure pénale, il n'est pas fait obligation aux parties de commencer par un point A pour arriver au point B. Mais il est demandé aux parties de soutenir celui qui va arriver le fait, il compte le prouver. C'est le premier argument. Ça veut dire que même si on l'impose, la partie prévenue considérait que ces rapports-là ne proviendraient pas d'experts selon l'article 49 du Code de procédure pénale. Ce rapport reste néanmoins un moyen de preuve, justement pour soutenir les accusations portées contre le preuve. C'est le premier argument. Le deuxième. Monsieur Tagout, nous avons rappelé hier à l'attention de votre cour que la police a de mission, la police a de département. Et ces décrets qu'on avait évoqués, les décrets qui organisent les commissariats de la police, eh bien, ces décrets également identifient le mission de la police scientifique. Comme le même décret qu'on avait rappelé l'article 14 de ce décret, qui connaît les attributions spécifiques à la direction du renseignement général. Le même décret prévoit que la police scientifique a, entre autres missions, l'enquête, l'expertise. Donc, cette mission spécifique de la police scientifique, elle peut s'inviter de soi. Sans nécessairement avoir été requis, il suffit pour la police scientifique d'apprendre qu'il y a un cas de décès dans ses attributions, cette police se déploie. Donc, en d'autres mots, quand il y a une fraction, la police judiciaire s'invite avec ou sans plainte, elle s'invite pour constater les faits infractions. C'est à l'heure même que l'idée de la police scientifique. En tant d'abord que police, il suffit qu'elle apprenne qu'il y a un cas de décès criminel. Il y a un problème qui se trouve dans la société. Eh bien, cette police a le pouvoir, si pas les attributions, des dessins d'enquêter des documents. Mais dans les cas d'espèce, vous avez compris le propos du général de la direction des services des renseignements généraux, qui vous l'a dit, que dès qu'il a appris qu'il y a eu mort, dans le cadre de la collaboration entre la police, parce que c'est d'abord un corps, il a appelé son ami de la police judiciaire pour que celui-là déploie ses équipes. Au-delà de ces appels qui ont dans le cadre de la collaboration, il y a également eu le magistrat. Parce que M. Tatou, comprenez avec nous que nous sommes en train de parler des infractions flagrantes. Donc il y a entre autres les critères d'immédiateté dans l'accomplissement des actes criminels. Il y a une question qui doit se faire tout de suite. Sans aucune forme de procès. Parce qu'ils disent qu'il fallait trouver des traces, il fallait être là, il faut voir. S'il fallait, dans ce cas, passer par le formalisme du code de procédure pénale du pays, il faut établir une réquisition avec des sommes, il faut qu'un dossier soit ouvert, vous voyez d'abord l'ouverture et tout ça. Ça pouvait prendre tout le temps. Et la promptitude de la police, en général, et spécialement de la police scientifique, nous a produit ce rapport. Mais on s'est demandé jusqu'où la partie prévenue était prête à partir. Pourquoi cette partie
et de céder. Comment cette partie de revenu peut opposer à votre coup que ce rapport ne doit pas être considéré? C'est quoi l'inversion de l'air? Parce que finalement, monsieur le maire, il y a quelqu'un qui est décédé. Nous sommes là pour savoir dans quelles conditions il est décédé. Comment ça s'est passé? C'est surtout le service. C'est la partie de revenu qui est la direction de l'enseignement généraux qui devrait dire à votre pays. Voilà comment les choses se sont passées. Voilà qui sont coupables. Voilà qui nous fait quoi. Ils ne vous l'ont pas dit. Ils ne savent pas vous le dire. Ils s'éjectent de responsabilité. Entre temps, il y a une famille qui souffre. Il y a une famille qui a besoin de connaître comment ça s'est passé. Et il y a ce rapport de la police scientifique. Un rapport qui vous a dit, et le peut venir. Tout compte plus vous dit, vous ne pouvez pas considérer ça. Pour nous, ce rapport étant la preuve. Pour carrément le début d'une preuve, il fallait qu'il nous montre les contraires. Qui vous dit oui, ce n'est pas ce rapport de parfait. Lesquels est vrai? Quelle documentation est vraie? Donc voilà. Brièvement, je sais qu'on a plus là au moment. Notre contradicteur hier il s'est limité au rigorisme de la forme. Nous avons lu en lui un bon civiliste. Bon civiliste, il s'est vraiment penché sur l'aspect forme et il a mis de côté le fond. Il a mis de côté même la genèse qui a fait qu'il y ait lieu à ces rapports. C'est un OPJ qui a fait recours à un autre OPJ. Tout d'abord, un commandant fait recours, le commandant d'une unité fait recours à une autre unité pour un constat et fait rapport. Et par-dessus le marché, vient maintenant l'officier du ministère public qui trouve que la police scientifique était déjà à pied d'œuvre. Après ça, mais nous, si nous recourons au code judiciaire, notamment à l'article 249, à son alinéa deuxième, c'est dans la section 5 qui parle du pouvoir discrétionnaire du président. Voilà l'intitulé, pouvoir discrétionnaire du président. À l'alinéa 2, la première phrase, il peut au cours des débats faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité. On laisse la suite de la disposition. C'est maintenant à vous, président, et à votre composition, d'apprécier sur le contenu, sur le fond de cette pièce qui est maintenant par devant vous. Si elle vous sera utile dans la découverte de la vérité. Ce qui est sine qua non, ce n'était pas ça là, la forme, non, parce qu'il manque telle phrase, il manque telle formule. C'est le fond d'abord de cette pièce. Parce que nous sommes debout, votre honneur, nous voudrions aussi apporter une autre précision à la cour. La précision, c'est que dans nos rapports, dans le cadre de collaboration entre officiers du ministère public, nous sommes entrés en contact avec le ProRep de Kinshasa Gombe. Question de curiosité, savoir pourquoi est-ce qu'il a vu M. Ikamba et il l'a laissé partir. Après toutes ces images,
Voici la réponse du prolète, monsieur le président, honorable membre de la composition. Le procureur nous a affirmé n'avoir jamais reçu dans son office monsieur Ikam. Indigné par ça, il ne s'est pas arrêté, il s'est dit même. Peut-être que les collègues, mon collaborateur à qui j'ai confié la tâche de l'instruction du dossier l'a reçu et ne m'en a pas fait rapport. Il a fait recours aux collègues. Il lui a posé la question. Le collègue a dit, chef, je n'ai jamais vu la face de M. Ikam. Ça nous laisse présager ou conclure que M. Ikamba a bénéficié seulement de la protection encore du prévenu. Du prévenu, mon pépé, qui avait eu la charge, qui a eu l'instruction de l'acheminer au parquet, mais il ne l'a pas fait. Il l'a fait cavalcader en cours de route. Il l'a fait cavalcader en cours de route. Donc, si seulement cette instruction était accompagnée d'une pièce de procédure, là, nous allions encore solliciter que la cour retienne l'évasion des détenus. Mais maintenant, là, ceci vient corroborer seulement son indiscipline qui est constitutive du refus d'obéissance. Ça veut dire qu'on lui a demandé d'acheminer, entre autres, M. Ikamba au parquet, et lui, il l'a fait cavalcader en cours de route. Refus d'obéissance, M. le Président. Ça, nous voudrions le dénoncer aussi. Et au cours de nos échanges, parce que hier, l'indicateur avait comme devoir faire rétroacte d'abord le corps sans vie de M. Pungachi Banda Olivier est logé dans la morgue de votre hôpital depuis le 17 décembre 2021, date à laquelle il avait été trouvé mort dans les circonstances non encore élucidées. Je vous enjoins de devoir procéder à l'autopsie du corps sus-indiqué et nous fixer la cause réelle de son décès. Nous faire rapport, il y a ordre. Quand nous faisions déjà allusion à ça, police de bien, quand nous faisions allusion à ça hier, monsieur, votre honneur, monsieur le président, vous nous aviez demandé d'accélérer l'obtention du dit rapport. Et dans les contacts, il était question qu'un membre de famille du défunt puisse certifier que la dépouille qui doit faire l'objet de l'autopsie, c'est celle-là réellement qui gît à cette place précise à la mort. Ça veut dire qu'il s'agit effectivement d'Olivier qui y est devenu aujourd'hui défunt, donc corps sans vie. Je crois que c'est l'unique préalable qui résistait jusqu'au début de cette journée, de sorte que dès que confirmation est faite, l'autopsie aussi aura lieu et la cour pourra obtenir la réponse. Sûrement, peut-être ici par respect pour la procédure, le médecin légiste aussi voudra que ça transite. Oui, c'est scientifique. La cour voudrait faire remarquer qu'il a bien suivi les réactions des parties qui sont intervenues tout à l'heure. Et prend acte de ces différentes réactions et la cour prend acte de ces différentes réactions et va en tirer des conséquences sur le plan des droits au moment opportun. Et cette fois-là, en voulant suivre la disposition légale qui vient d'être mise tout à l'heure par l'organe de la loi sur les pouvoirs discrétionnaires du président. Et là, la loi numéro 23 tirée 2002.
député qui porte le code de sécurité, qui dispose de ce qui suit. Du pouvoir discrétionnaire du président. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Alinéa 2, il peut, au cours d'un débat, faire apporter toutes les pièces qui paraissent utiles à la manifestation de la vérité et appeler par des mandats de comparution ou d'amener toutes les personnes dont l'audition lui paraît nécessaire. Le premier état, c'est que voilà, je crois que hier, la plupart des partis litigants ont demandé à votre ministre de cour de voir comparaître par le fait Monsieur le procureur de la République et son premier substitut, qui est actif parce qu'il était même étudié, comme le relève les rapports. Vous verrez votre acte de salaire par rapport aux observations du parti. Le premier substitut est au, qui était sur le terrain. Mais on ne peut pas comprendre les raccourcis dangereux de l'accusation. De vous dire, comme pour ne pas voir ses collègues et quelques pas de nos que nous avons été dans les régions avec nos collègues civils. Et voici ce que nos collègues civils nous ont dit. C'est comme là où on est sûr estime mon frère de mon fils. C'est une déclaration qu'il vous apporte. On ne se pas dans quelle conditionnalité c'est depuis la raison. Où des conseils ont été faits. Quelle est la valeur juridique que vous allez donner à ça? Voilà pourquoi nous sommes pour une question, honorable conseiller. Pour l'intérêt de la vie. Pour l'intérêt de la vie. Parce que vous êtes de bonne vérité dégagée. Moi, ça peut être aujourd'hui, mais une vérité judiciaire. Que les partis. Demande que vous puissiez faire application des dispositions de l'article 241 du Code de sécurité et inviter par le faire au fond les problèmes communs et son premier substitut pour que nous arrivions également à lui poser, à leur poser des questions. Pas le droit du fond. Mais pourquoi nous avons posé, on a échangé. Nous disons que vous direz, monsieur le Premier ministre, cette demande réservable est pertinemment connue et qu'à conséquent, d'une part, des dispositions de l'article 241 du Code judiciaire, invitées par le faire au fond, les deux magistrats à comparaître. Parce que là, se pose un problème. De la vérité, je pose un problème de la débatte, de l'opinion. Lorsque vous allez décider la solution, ça sera le bon choix, et aller dans le sens contraire, on risque de compromettre la réponse de l'opinion. Je pense que comme vous avez constaté, et nous voulons bien la victime, je pense que les observations qui étaient du reste sous la forme que nous avons formulée hier, sur le rapport, n'étendez pas, parce que comme vous l'avez dit, vous savez, vous avez vous a clairement clarifié le moment où il a su qu'il y avait la voiture, et je pense que l'observation que nous sommes en train de faire, c'est par rapport à un incident qui vient d'être lancé par l'organe de la loi. Et l'organe de la loi, qui poursuit, je rappelle, monsieur. Qui poursuit les prévenus pour torture ayant entraîné la mort, a tendance à se cramponner sur un prétendu ordre qu'aurait donné le général ou le colonel, ou encore le fait que le plaignant ne s'est pas trouvé au parquet.
vous constatez principalement que c'est une question qui est sans intérêt sur l'instruction de l'infraction. Ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, monsieur le président, connaissant le ministère public, vous avez même constaté que le ministère public a pris l'initiative d'appeler les personnes pour venir comparer. Si lui-même ne prend pas l'initiative de faire venir ces personnes-là, surtout s'il savait que ces personnes-là avaient des informations pertinentes qui pouvaient avancer l'instruction, il l'aurait fait. S'il ne le fait pas, nous nous comprenons. Alors, les conflits du dehors, ils n'ont rien à voir avec la rue. Nous prenons acte, nous constatons que le ministère public n'a trouvé aucune information auprès du procureur sur la présence de M. Mikamba ou Bakou. Ceci étant, c'est un groupe qui crée et nous en dirons toutes les conséquences. Je réponds ici à la défense, en rappelant les dispositions de l'article 249 qui stipule le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Il peut, au cours des débats, faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler par des mandats de comparution ou d'amener toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Je m'arrête là-bas pour vous dire que l'opportunité de faire comparaître le procureur de la République, tout comme son substitut, c'est la cour qui en apprécie l'opportunité. Vous pouvez bien formuler la demande, mais en vertu du pouvoir discrétionnaire reconnu au président de la juridiction militaire, il a le droit d'accepter ou de rejeter cette demande. En l'occurrence, la Cour ne trouve pas l'opportunité de faire comparaître le procureur de la République ainsi que son premier substitut. Ceci dit, la Cour vous propose la descente sur les lieux pour visiter l'amigo, ou si vous voulez, la location dans lequel la victime avait trouvé la mort. Nous allons descendre tout de suite. Pour ce faire, la Cour suspend l'instruction pour quelques temps. Je vous remercie. Entre côté, arrêt. Immobilier. Monsieur le premier président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, mon général, l'audience est suspendue. À votre nom.
Général! À vos ordres, mon général. À vos ordres! C'est les mots. Gardez. À vous. Centre est porté. Armée. Immobile. Monsieur le premier président de la cour militaire de Kinshasa, Gombe. Mon général, l'audience est reprise. À vos ordres, mon général. Armes au pied. Repos. Cette descente sur les lieux, visiter l'amigo, c'est-à-dire le lieu où la victime avait trouvé la mort. Monsieur Olivier Punga. Alors les parties au procès pourront, au moment opportun, tirer les conséquences de cette descente sur les lieux. Ceci dit, nous allons nous rendre au lieu où la victime avait trouvé la mort, c'est-à-dire dans l'amigo. On nous a dit que c'est de l'autre côté. Nous allons nous transporter là-bas. Une observation. L'amigo des services spéciaux, des services généraux ici, ça se trouve là-bas. Nous ne comprenons pas comment l'amigo peut se retrouver de l'autre côté. Je suis avocat, nous avons fait plusieurs procédures aussi ici. L'amigo c'est là. C'est là que se trouve l'amigo de ces services. Alors, maintenant que ça a été délocalisé de l'autre côté, je ne sais pas si ça se justifie en quoi. Lieu où la victime avait trouvé la mort. On nous a fait dire qu'il y en avait, il y avait trois. Oui, oui. Trois cachots. Trois cachots. Oui, mon père, tu peux nous donner. Rien ne sert à s'acharner. Ici, c'est là où nous travaillons. Nous devons vous guider. Hein, là où notre jeune frère a trouvé la mort. Mais l'amigo est ici. Non, l'amigo est ici. S'il vous plaît. Mais pourquoi vous dites là-bas? Monsieur le Premier Président, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Responsable, le général Auchan, voilà. Il est le responsable. Il commande le département de services généraux. C'est lui qui va nous guider pour nous indiquer. Voilà. Pourquoi nous, le Premier Président, on nous a demandé de planter les décors. Nous ne connaissons pas comment on plante des décors. Je crois que si on dit qu'on déplace, si on déplace là où vous êtes, c'est de pas. Monsieur le Président, je appelle mon pépé. Il a confirmé hier. Il a dit nous avons trois amigos. Nous devons d'abord, Monsieur le Président, avec votre autorisation, qu'on voit d'abord les trois amigos. S'il y a possibilité de part de côté, on veut toujours se déplacer. Mais néanmoins, à ce moment ici, à ce stade, nous devons d'abord contrôler les trois amigos que le colonel Moupépa nous a dit hier et le général. Nous avons dit. Votre honneur, monsieur le premier président, je crois que votre auguste cour venait de nous faire dire le pourquoi de notre descente ici. C'est une descente de reconstitution des faits au lieu où la victime a trouvé la mort. Et lorsque nous arrivons ici, j'ai suivi tout à l'heure un confrère de parti civil vous dire que nous avons hier affirmé qu'il y a trois amigos. Et par contre, nous avons dit qu'il y a trois cellules et deux cellules sont opérationnelles en ce qui concerne la détention des suspects et l'autre cellule est aujourd'hui utilisée comme un dépôt. Donc si on n'a pas été dans la salle, l'on doit se réserver le droit de dire n'importe quoi devant la cour. Merci maître. Nous avons cette intervention pour Laissez-les faire ce qu'ils font.
La clé d'ici. Ça vient. Si c'est la toilette. Les parties sont là. Voilà, la partie c'est vide. Nous sommes là. Ça c'est la toilette qui est là. Ça la partie. Toilette des officiers. Toilette des officiers. Nous devons la composition de côté. Laissez d'abord la composition passer. Fais passer la composition et puis partie civile même. Le bureau pénitentiaire. Le bureau pénitentiaire. Oui, le bureau pénitentiaire, là où le chef de poste reste deux fois la journée. C'est un major qui est là. Le chef de poste est devant. Il part à la maison, c'est ici. Mais la République, allez-y, la République démocratique. Je veux les responsables de tout ça. Non, je ne veux pas que tu m'expliques. C'est-à-dire à partir d'ici, c'est maintenant nous entrons dans les salles. Ici, c'est la soirée des détenus. Vous pouvez voir, monsieur le président. Le premier, c'est lui. Le deuxième. Écoutez, j'espère. Moi, je l'ai désinfecté. Maintenant on peut les faire. Ah. C'est lui qu'on garde le détenu. Première c'est lui qu'on garde le deuxième. C'est là où on a trouvé les. Est-ce que vous avez désinfecté? La police scientifique, oui. La police scientifique. Bon, là, est-ce que vous avez respecté cette cellule? Il a été dit ceci, hein. La cellule, la question que Olivier avait trouvé la mort. C'est ça. C'est ça. C'est ici qu'il a été trouvé. Oui. C'est ici qu'il a été trouvé mort. Oui, oui. Il a été trouvé mort ici. Et comment il est? Comment il est? Police scientifique. Je pense que ici ce sera un peu difficile puisque j'ai des films. Quand on va retenir là-bas, vous allez voir la position. Mais néanmoins, je vais vous montrer comment. Derrière, nous avons vu, nous avons trouvé la fenêtre ouverte. Et le nez était à ce niveau. Le deuxième nez qui s'est retrouvé au cou, vous allez voir ça dans les films, c'était à ce niveau. Et le monsieur était à genoux. Donc, il faut en position pour à genoux. Et quand nous sommes maintenant entrés à l'intérieur, nous avons la première des choses quand il y a un dossier comme ça, il faut d'abord prendre la taille de la personne. C'est 1 mètre, il est géant, plus que même. 1 mètre 74. Nous avons pris la taille, le premier nœud, deuxième nœud, et puis le pavé. Ça, c'est ce que je dois. Je ne sais pas, on n'a pas désintoxiqué. Mais peut-être au niveau de. Quand on va rentrer là-bas, je vais expliquer. Vous allez voir avec le film. Mais ici, comme on n'a pas de. Ça ne sert à rien puisque les gens risquent de. Donc, voilà. Cette cellule à quelle dimension? Pardon? La cellule à quelle dimension? C'est 5 mètres sur 2,5. Quelle hauteur? Bon, la hauteur, comme je n'ai pas tout ça en tête. Bon, dans le rapport, comme nous avons travaillé ce rapport-là toute la nuit, il y a d'autres éléments qu'on n'a pas ajouté puisque c'était vu l'urgence. Voilà. Tu as la taille, le nez jusqu'au parfum. On peut nous donner ces oui, éléments. Ça, on peut même le faire pour voir. Faites-nous la taille, hein, l'auteur depuis le nez jusqu'au le parfum. Ça, c'est ça. C'est quelle hauteur? Non, ça, c'est déjà pris. Nous avons quelqu'un qui a habilité à faire ça. Donc c'est noté. Donc on va vérifier dans le rapport. Mais néanmoins, lorsque.
Mais ma taille, il est géant plus que moi. Il est à ce niveau ici, le monsieur. Donc quand vous prenez, et l'aîné était ici. Mais nous l'avons trouvé en position, je parlais de la position accroupie. C'était à ce niveau. Limiter le nombre. C'est-à-dire, il y a ceci. Prenons l'hypothèse de la pente des eaux. Quand il y a un nœud à ce niveau ici, et qu'on retrouve le deuxième nœud à ce niveau, ça signifie quoi? Mais aucun support. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une pendaison, il doit y avoir un support où la personne doit se balancer et puis il reste suspendu. Là, on parle de la pendaison complète où on retrouve l'espace entre le pavé et les pieds. Deuxième pendaison, ça peut être pendaison incomplète. C'est-à-dire, la personne pouvait trouver la personne debout. C'est-à-dire, juste quand il a été basculé, donc directement, et puis il reste debout. Mais dans ce troisième pendaison, c'est à vous de juger, de dire le droit, de voir ce que nous avons fait et pour conclure. Bon, néanmoins, cet aspect-là, dans les rapports, je pense que vous avez dit que j'ai exprimé ces rapports. Pourquoi? Puisque à ce niveau, d'abord, un, il n'y avait aucun support sur lequel le monsieur s'était tenu pour se balancer. Puisque je vous informe que même à un mètre, quelqu'un peut se pendre. Mais dans les cas précis, vu la taille de la personne, vu la masse de la personne, quand ce bascule, le nez va se détacher jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire la personne est encore en vie, elle ne peut pas, il n'y a pas aucun mouvement à faire dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est parce qu'il se met ici, c'est-à-dire, il a trouvé un appui. Là, on ne peut pas parler de pendaison. De deux, il y a la langue devait être trouvée coincée entre les dents. Ça n'existe pas. Rien du tout. Et ensuite, quand il y a pendaison, il y a aussi la présence de matière fécale. Ce qui montre qu'avant de rendre l'âme, la personne est agitée. Mais néanmoins, ce que nous avons trouvé, il y avait, je parlais de matière au niveau de son pénis, il y avait une liquide semblable au sperme. Bon, là, vous allez voir quand nous allons rentrer, je vais vous mettre le film complet. Vous allez voir la position, vous allez voir tout ce que nous avons trouvé sur le corps de la personne pour dire que ce n'est pas une pendaison, mais c'était peut-être, et c'était maître. Voilà un peu en résumé, puisque on ne peut pas rester longtemps dans la série qui n'est pas des impossibles. Vous avez trouvé la porte ouverte ou fermée? Parce qu'il était dans la cellule. Oui. Le police scientifique qui est descendu sur le terrain, l'état du cachot, il était fermé ou ouvert? C'est juste une réponse. J'ai trouvé la porte, la fenêtre ouverte. Et la porte également était ouverte. Ok. Et nous avons. D'abord demander à votre occupant que l'OPJ vous dise
quand on a amené le victime, lui il était où? Il a reçu le monsieur où? Quand on a venu avec lui. Chaque mousse à voir. La 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 gueule. Mousse. Téléphone est bengi. Téléphone est d'accord. Petit téléphone. Si tu as le bureau, ma vie, le bureau. Moutou m'a dit, oui. Je vais dire, moutou, oui. A Kangi Moutango, à la Guanaye. Sogaye, vous savez ça. Je sais qu'il y a la porte de Gouna. C'est la porte de Zali. Sogaye, par où est-ce que vous avez dit? Vous avez dit. Vous appareil à charger. 20 minutes après, 20, 25 minutes après. Je vais te comprendre bien. Donc, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. La longue mousse, la tchèque bimbi, la bimbi. La tangan pour la messe, à l'aide de la messe pour Cyril et Athé. La longue mousse, pour te fonger. La longue mousse. La longue mousse, pour ça, il y a besoin. La bimbi. La kéti. Tangou na zongi. Nene okuta policier biso wana brigadier awa sima na defin awa na chemise na sima alors balola ici na ko kon sima a partir la porte na bi fongolaye a partir la porte donc tu bat la bête na porte oui. Donc ici mon éponge. Il faut peut-être que la ville. Après le bio, qui prend ça à deux doigts. Oui. Bien. Tant que l'on a deux doigts, on m'a dit qu'il n'y a pas. Ah, Je vais te sommeiller. Na kei na sali petit besoin. Kozonga na ngai. Ndela moni ya telemi awa. Hein? Ton fini. Tribona ye, kangi na sima. Patron ngulo, hein? Subitement patron ya ndambo na so. Ndela lobi na ye. Fongola ye. A fongola ye. Na pani be instruction. Tamu na sivisi. Na bengi chef de poste kaka awa. Na biro na nda. Chef de poste. Zwaye. C'est un amigo. Tu vas aller voir. Olivier n'a pas sa petite Afandia. Petite petite fait Afandia. On est la bandit. Mais on se témoigne la porte du bandit, mais la 4 mat. Tellement. Qu'est-ce que tu as non? Donc vous avez la tenue civile. Tenue civile. Tenue civile. C'est le permanence. La renseignement. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme.
patron de la qui ce qui brouze la qui était la tribu à Kati. Mais il y a un peu de monde qui est mort. Il y a un peu de patron à tenir bleu. Vous avez dit que le colo, à cause de la tenue, le tricot est noir. Quand le tricot est noir, tout tenu. Mais patron à tenir. Il y a un peu de tenue sur lui. Il y a un tenue sur lui. Puis j'ai fait. Pantalon, chemise, il y en a. Il y en a. Il y en a. Chemise. Non, il y en a. 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 Oui, les vides, c'est l'équipe. Depuis qu'il y a une prison, prison où on a voué. Mais ils allaient voir. Oui, ils ont une prison. Mon père, c'est qui prison. Non, c'est pas la prison. Pas autant la prison, la pavillonne. Et comment dire pour 5 jours, pour 48 heures. Bien. Quand vous entendez aussi le PV, vous êtes là. Oui. Le va que à Boya qui consigne, pas n'a ni la Boya qui consigne. Et ça doit n'aller. Quelques mille, 5 mille comme ça. Allez, gala qui dit. C'est mon colonel, mon qui. Allez, quittez. Oui, c'est là qui va battre, qui connaît le chéril, qui que. Je sais pas, mais c'est pas là, mais mon quoi, c'est là qui est venu, c'est pour moi. Officier d'intervention. Intervention. M'en passe. La monnaie qui était. Ah ouais? Les deux égards. On contrôle les égards pour nos conditions. Les 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 Parce que nous avons visualisé les images que nous avons trouvé la le trace de ces terrassés qui est ici. Les terrassés ici. Il y a un petit terrassé ici. Vous allez voir ça dans les images. Il y a ce petit terrassé. Il se peut que la torture ait passé par ici et il y avait ces caméras. S'ils peuvent avoir les serveurs centrales ou la bande qui peuvent nous montrer. Et puis, ils nous disent que ça ne fonctionne pas. On ne sait pas. Non, il n'a pas répondu. Il faut poser la question. Non, il y a quelqu'un déjà qui. Qu'on pose la question générale, c'est mieux. Vous posez à quelqu'un qui n'est pas. Oui, le général est là, il est mieux placé. Vers 6h, etc. J'ai reçu le premier appel de commissaire divisionnaire en charge de la police judiciaire, M. Baré Longani, m'informant de la découverte d'un corps sans vie dans le Migo, le service de renseignement. Quelques minutes après, j'ai reçu encore deuxième coup de fil de M. Eto, qui est magistrat au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, qui m'informe toujours de la découverte d'un corps et qu'il était déjà sur place si je pouvais amener l'équipe pour les constatations d'usage. C'est ce qu'on a toujours fait comme la disabilité, comme ça. Voilà, c'est le tout. Oui, pardon. Y a-t-il des questions? Ministère public. Pour vous, et demander tout simplement qu'il arrive à vous différer pour permettre de prendre quelques éléments et éventuellement
faire observer par les hommes. Bien. Lorsqu'il a reçu le coup de fil, le deuxième coup de fil du magistrat et tout, est-ce que, arrivé sur place à la direction de renseignement général, a-t-il trouvé le magistrat et tout sur place? Arrivé, nous sommes dirigés tout droit vers l'Amigo. Je l'ai vu sortir de l'autre côté. Et derrière lui, c'était le colonel Moukeko. Avez-vous trouvé ce corps sans vie? La première des choses, nous avons d'abord à travers la fenêtre. Et nous avons vu une corde. Un nœud au-dessus, deuxième nœud au niveau de l'intestin. Donc, qui s'est trouvé au cou de la victime. Donc, en position appropriée à genoux, la face tournée vers le mur. Hormis, s'il y avait un corps étranger, c'est-à-dire soit un bloc de ciment ou un bloc ou une brique, ou bien un seau. Bien, un corps étranger dans la cellule. Vous trouvez ça également? On trouvait juste le corps dans cette position-là. Pourquoi je parlais que quand on parle d'une pendaison, il y a toujours un support. Quand on se balance, si c'est pendaison complète, c'est-à-dire l'espace doit rester entre pavé et les pieds. Mais ici, où ça c'est pendaison complète. Si c'est incomplète, la personne peut se basculer et rester et toucher le pied. En se basculant, directement, il est décédé. Mais ce n'est pas le cas dans les cas précis. Nous avons trouvé la personne à genoux. Et le nœud, ou supposé, il devrait être suspendu à ce nœud-là, relâché à plus ou moins 30 cm. Donc vous comptez juste à peu près 30 cm. Donc voilà un peu brièvement la position dans laquelle nous avons trouvé quelqu'un qui est debout comme ça. Et il reste quelques centimètres quand il se met sans support. Je ne sais pas si on peut appeler ça pendaison ou quoi. Donc, c'est ainsi que nous avons exclu cette hypothèse-là, pendaison. Et là, on devrait examiner les corps. Est-ce qu'il y a les lésions corporelles sur les corps? Oui. En commençant par ici. Il y a des traces que vous allez voir, puisque j'ai le film, tout ce que nous avons travaillé. Vous allez voir, je vais le présenter. Nous avons trouvé qu'il y avait des traces ici. Nous avons trouvé encore ici, où il y a même du sang. C'est visible dans le truc. Donc, nous avons compris qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Puisque si c'était la pendaison, on n'allait pas trouver toutes les traces sur les corps. Donc, il y a eu un élément extérieur qui a provoqué cette mort-là. C'est pourquoi nous avons parlé. Puisque l'une des missions de la police scientifique, c'est d'apporter des preuves, permettre au juge de dire les droits. Nous avons dit, sans mâcher les mots, que c'était un meurtre. Et pourquoi? J'ai dit ceci. La distance qui sépare entre le nez, le premier nez central, où la personne suppose, devrait poser, se pendre, se relâcher, jusqu'à à peu près 30 cm. Et vu sa masse, quand vous vous balancez comme ça, la personne ne serait pas. Des signes extérieurs qui peuvent attester que cet individu, ce monsieur, cette personne est décédé suite à une pendaison. Je dis. Vient de. Pour cette année, j'ai déjà fait plus de 680 dossiers sur la scène de crime, puisque c'est moi le responsable. Et sur 680, 108 scènes de pendaison. Et je connais les signes, quelques signes, quand tu as pendaison. Premièrement, il y a d'abord la langue qui est coincée entre les dents. Puisque la personne, avant de mourir, il doit quand même l'être agité, il fait sortir sa langue. Et la langue doit être coincée entre les dents. Deuxième élément important que nous avons, il y a la présence de matière fécale
Mais dans les cas précis, il n'y a rien. Quand vous regardez la langue, normal. Deuxième, nous sommes encore allés plus loin. On regarde si son pénis, puisque il y a aussi, c'est très important, il y a un liquide que je parlais semblable au sperme. Donc c'est cette liquide-là. C'est-à-dire, la personne, avant de rendre l'âme, il est agité, soit il y a matière fécale, et la langue doit être coincée entre les dents. Mais ce n'est pas le cas chez l'autre. Bon, tout était normal. Sauf ce que nous avons constaté. On pouvait encore aller plus loin, mais nous sommes arrêtés à ce niveau-là. Comment peut-il intituler les documents qu'il a eu à présenter à l'attention de la justice? Le dossier technique de clinique est différent avec les rapports d'expertise. Dans le dossier technique de scène d'infraction, c'est-à-dire qu'il y a eu meurtre, il y a eu noyade, il y a eu pendaison, il y a eu tout ce que vous voulez là, quand déjà c'est ce qu'on appelle la scène de crime. Et dans la comparaison, par exemple, des signatures, ainsi de suite, là c'est expertise, où on nous demande de comparer la signature incriminée et la signature de comparaison. Mais ici, dans les cas précis, c'est un dossier technique de scène d'infraction. Lorsque il vous dit tout à l'heure, et dans ce dossier technique de la scène du crime, il fait état qu'au niveau du pénis, il y a eu un liquide comparable au sperme. Qu'est-ce que cela lui inspire, lui, spécialiste en matière de scène de crime? La police technique et scientifique, nous avons des spécialités. C'est-à-dire, il y a les spécialistes sur une scène de crime qui ne sont pas des experts. Ils sont là formés pour travailler sur la scène de crime, récolter. Et quand on arrive, on prend, puisqu'on peut trouver même du sang, tout ça, on ne peut pas nous, à mon niveau, dire directement que c'est un sang humain. Non, il faut passer au laboratoire, comparer est-ce que c'est le sang humain ou bien le sang du chèvre, par exemple, le chèvre. Donc, ce qui fait que le liquide que vous avez vu là, je vous ai dit, quelqu'un avant de rendre l'âme, il est agité. Il doit y avoir quelque chose. C'est-à-dire, un, avant de rendre l'âme, soit il y a matière fécale, ça c'est plus pendaison, et aussi la langue. Dans les cas aussi de strangulation, on peut briser le larynx et vous allez voir la personne. Pas faire même matière fécale, mais il y a le liquide là, le sperme. Donc ça, ce sont les signes que la personne est morte. La question que nous avons pour l'officier du ministère public étant sur terrain. Après avoir observé l'amigo, où ces sales besognes ont été commis par la direction des opérations, est-ce que l'amigo d'à côté, puisqu'on nous a dit, vous vous souviendrez, estimé aimable de la cour, que l'amigo voisin avait aussi quatre autres personnes. S'il a tenu compte, la porte de l'amigo voisin était ouverte, où ces personnes, à côté de là où un cadavre, il les a vus, ça c'est la toute première, et en un mot, en tant que scientifique, il peut regarder les deux amigos et regarder si quelqu'un, à l'intérêt de l'autre amigo, peut prendre une bouteille d'eau et la jeter dans l'autre amigo. Ça va traverser comment? Il nous explique ça, scientifique, puisqu'on a entendu ça à la cour, soutenu par les chargés des opérations. Oui, je pense que je vais répondre. Il y avait entre autres un policier qui dormait sur la mousse et l'autre était assis. Et troisième personne était, je crois, à gauche. Bon, ma préoccupation était plus orientée vers la porte où se trouvaient les corps. Donc la porte était ouverte, entre-ouverte. Il y avait, quand vous passez, vous voyez à l'intérieur. Mais touchez pas cela. Cela pouvait-il se faire? Les compteurs de ce qu'il a vu, à un mètre, comment est-ce qu'une pendaison à un mètre pouvait-elle plutôt être possible? Voilà ce que nous demandons. C'est lui le spécialiste. Moi, je suis avocat. C'est à lui de nous donner un peu, de nous présenter un scénario. Voilà. Oui, c'est-à-dire... On peut mettre un tabouret, une chaise. Quand vous vous basculez, donc directement la corde là, vous êtes retenu et vous mourrez. Mais dans les cas précis, il n'y a aucun objet. Je ne sais pas comment vous pouvez parler de pendaison. Il n'y a aucun objet où la personne était montée, s'est basculée et puis non,
n'y a rien du tout. C'est pourquoi j'ai parlé de l'assimilation. C'est un corps qui a été... Votre honneur, une autre... Voulant se rattraper de certaines notions de criminologie, criminalistique, scène de crime, par le fait que la victime, Olivier, on lui a aspergé de l'eau. Et l'eau était à ce niveau. À la manière d'analyser le lien du crime, puisque c'est un lien du crime, est-ce que cette eau-là n'est pas, ce que moi j'imagine, il va me contredire, une façon de torturer, de réanimer quelqu'un en l'aspergeant de l'eau, en le cherchant de le ramener à la vie? On trouve qu'on a échoué de les réanimer, alors on imagine la méthode. On simule maintenant la pendaison. Puisque cette eau, quoi que vous lui avez posé une question importante, il a justifié aussi une justification importante, disant c'est de 1h à 4h, on le comprend. C'est un être humain. Il peut ne pas mettre tous les éléments, mais c'est un élément important. Il peut nous expliquer la présence de cette eau qui est une forme de réanimation de M. Zita et ses hommes sous les ordres de Colin Pépé. Voilà. Une supposition de votre part. Exactement, puisque nous analysons cette chose. On va tenter de... Voilà. On est dans le bureau des opérations. Ça fait partie des opérations. J'ai compris la question. C'est son point de vue. Moi, je ne suis pas magicien. Je n'étais pas là quand la question de la situation. Bien que je suis en train de faire parler la scène de crime. Donc, il y avait des loups. Je ne sais pas. On dit qu'elle a greffé. Je ne sais pas. C'est ainsi que nous avons parlé. On ne pouvait pas affirmer que c'est des sperme. Ce qu'on a vu la présence de l'eau. On ne pouvait pas d'emblée de l'eau pour affirmer. Deux dernières questions de la partie civile. Le pénitencier, Azad. Oui, moi, je dirais tout ça dans la situation de la communauté. Parce que Lucien 2017, Olivier Mpunga, c'est là qu'il y a un cachot. Dès que nous nous reprendons. Monsieur, la place est Au 17. On reprend le bataillon. Mais combo, il y a Olivier Mpunga, il est combo, il est parce que si tu as un temps, 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 directement, et après s'il y a des préoccupations, on va encore les soulever. Je ne sais pas s'il est là. Est-ce que le colonel Géry est là? Géry. Je me suis dit qu'il était chef de poste à l'entrée principale. La composition de l'équipe des gardes, est-ce qu'on peut connaître la composition? Chef de poste, la boîte de poste, je ne sais pas, les gardes, ça c'est quand même. Ça, j'ai évoqué les rapports qu'avait fait. Bien. Sur ce, l'audience est suspendue. Je vais reprendre dans la salle. Cours militaire. Gardez. Off. Centre. Portée. Armée. Immobile. Monsieur le premier président de la cour militaire de Kinshasa, Gombe. Mon général, l'audience suspendue. À vos ordres, mon général. Armée au pied. Repos. Kilo. Je sais que c'est la scène d'église qui s'est passée dans un cachot.
la direction générale de l'ANCEI. Je pense avoir notre arrivée. La scène était déjà convivée par la présence de premier président. Alors, avec la rivalité, si vous voyez là, ça c'est l'entrée principale de la chose de la terre. Ça c'est l'état humain, puisqu'à l'essai il y a des portes. J'étais dans l'administration, maintenant la porte que vous voyez là, c'est à l'intérieur. Ici c'est l'antichambre de la chose, et à l'intérieur il y a trois portes. Voilà. Il y a quoi une porte, si vous regardez à gauche, il y a une porte qui n'est pas tellement visible. Deuxième porte, là où il y avait une mousse avec trois personnes, un policier, deux autres personnes. La dernière porte que vous voyez là, c'est là où se trouve un peu sans vie, mais policier. Regardez la position de la porte et la fenêtre. C'est cet état que nous avons trouvé. La porte de cachot. C'est ça, là. Puisque nous avons fait prendre plusieurs photos pour voir s'il y a des quatre indices, moins que des indices. Il y a un objet qu'on se fait pour se balancer. Les mouvements là qu'on fait pour se balancer, c'est la même étape de compte. Nous avons passé de la deuxième étape, c'est ça, examen des corps. On va bien examiner les corps de la vie. Bien qu'il est, comme vous pouvez regarder, qu'il est presque mis en soufflement, maintenant on devrait quand même contrôler ce corps. C'est-à-dire qu'il y a pendaison quand il y a un certain nombre d'éléments qui nous renseignent que la personne est descendue, entre autres. Il doit y avoir un tabouret, une chaise, sur lequel la personne monte pour se balancer. C'est-à-dire que la pendaison, c'est d'envoyer des transferts. Lorsque vous montez, vous mettez, pourquoi j'avais parlé de même à 1 mètre, vous pouvez monter et puis vous balancer, vous jetez comme un caillou, vous allez mourir. Mais ici, regardez, vous allez mettre la photo et la forme. Vous allez voir que si c'était la pendaison et la pendaison s'est balancée, je vais me trouver en position à court. Je ne pourrais pas mourir. Je vais dire sa masse. Pourquoi il n'y a aucun objet qui pourrait me conduire et la pendaison s'est enlevée. Ça, c'est un élément très important. Deuxième élément, il y a des signes de pendaison. Pas tous les signes, mais j'ai quand même quelques signes qui sont plusieurs années. Quand il y a pendaison, quand il y a strangulation, et tous les signes. Mais ici, dans les règles, vous avez mis la bouche des policiers. Vous devrez trouver la langue. C'est quand on est dedans, mais c'est normal. Je vais parler dans le rapport. Là, le rapport qui nous dit que c'est la langue simple. Donc, on dit que la langue était normale. Il n'y a pas présence de matière fécale. C'est parmi les signes de la pendaison. Il y a la pendaison complète. Lorsque quelqu'un se balance, il y a un espace qui reste entre les pavés et les pieds. L'espace. Donc, les pieds sont un peu. Ici, il y a un espace. Et quand vous touchez les corps, ça va tout seul. Mais quand il y a une pendaison incomplète, c'est-à-dire la personne va se projeter et en se projetant directement, il est décédé, mais les pieds restent tout seuls. Ça, c'est la pendaison incomplète. Mais dans des cas précis, j'ai donné d'abord
comme le monsieur, il est plus de l'entrée que moi d'ailleurs. Et sa masse et la noix supposée utilisée pour se prendre, il n'y a aucune similitude. Ce qui fait que pour la police et la politique, ce n'est pas une pendaison. Un certain maître. J'ai dit que maître, je fais étudier les mots. Chez lui, il n'y a pas d'écoute. Lorsque nous utilisons le terme XCR, ainsi de suite, d'ailleurs, pour commencer à l'intérêt, appliquer tout le oui, dit le maître avec force. Pourquoi? Puisque quand vous voyez les mots là, il y a la présence des sites. Des lésions corporelles. C'est la personne qui a été torturée. C'était l'infection de l'extérieur. Et les deux, l'endroit supposé, non, on ne peut pas se prendre dans des positions. Regardez d'abord la position de la vie. Les lancers, ils aimaient de cette façon-là, bien sûr. Ça, c'est un type de pendaison, même des mots. Pour la police et les scientifiques, je pense que nous avons travaillé dans toute l'indépendance. Puisque si les laboratoires de la police scientifique existent, la salle de la guillée, non, vous pouvez y aller. Après la guillée, là, tu es correctement. Et la salle de la guillée, vous allez d'ailleurs. Et la guillée, après la guillée. Correctement, là, tu es Je vous dis à quel patron, vous allez voir, 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 est-ce que avez-vous rencontré beaucoup de cas de personnes qui sont pendues en utilisant leur pantalon. Je crois que c'est à vous. Et là-bas, vous avez vraiment suspendu. Les gens qui avec le pantalon, peut-être effectivement avec la salle de vie, raccrocher les corps au niveau du portail, l'entrée derrière le portail. Là, c'était une simulation, bien un cas de pendaison avéré. S'il y a une question à poser à l'expert, maintenant, je vous accorde la parole. Donc il n'y a pas de question. On peut l'énumérer, fait partie. Allez-y. Alors, vous avez quelle question? À mon regard. Thank you.
Ma Mission TV, le miroir du monde.